résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, offre à ses enfants une culture digne qui permettra à leurs âmes. Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer. Et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez. Mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien. Soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. Bonjour, bienvenue sur le live de la résistance gabonaise en ce samedi 21 mai 2022. Merci pour ce rappel. Donc nous allons continuer avec l'hymne national du Gabon, la Concorde. L'injustice et la honte qu'ils m'ont
sang de la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Bonjour à tous, nous sommes la diaspora résistante gabonaise en France. Donc nous sommes debout depuis le hold-up électoral d'Ali Bongo, famille, collabo et ses amis français, des conseillers du général de Gaulle jusqu'aux conseillers de Macron qui sont rentrés dans ce grand bal de vol, de pillage au Gabon. Nous restons debout pour dire la souveraineté d'un pays ne s'achète pas, elle se respecte. Nous sommes un pays indépendant. Ce qui est écœurant pour nos amis d'hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui et peut-être, je dis bien peut-être, de demain, c'est que mon jeune frère et président, M. Macron, est à la Sellec maintenant pour parler de l'Ukraine, de la souveraineté. Ça s'écrit de la même façon en Ukraine comme au Gabon, la souveraineté.
Monsieur Macron, vous ne pouvez pas tous les jours, comme une amie, appeler Monsieur Poutine au bureau pour surveiller ce qu'il fait, pour demander la souveraineté de l'Ukraine, parce que vous estimez qu'il n'a pas à s'en mêler de l'entrée au temps ou pas. Et en même temps, vous méconnaissez les tueries au Gabon par vos amis Feu Ali Bongo et Collabo. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Le monde évolue. Et encore une fois, j'étais très agréablement surpris hier. Je disais il y a 2 semaines sur cette même place que le client est tellement fatigué que c'était le dernier élève. Le dernier élève de cette France qui avait signé nos pétroles, nos richesses au bénéfice de la France. Vous ne pouvez pas voler un pays, avoir un pourcentage supérieur à celui de ce pays en origine. Non, nous devons avoir des échanges de pays en pays. Le Gabon n'est pas une région de la France. Heureusement que nous ne voulons pas subir ce que la Guyane subit avec les lancements de fusées. On ne sait pas, les enfants naissent avec des déformations que nous ne voulons pas. Nous sommes indépendants, vous l'avez accepté avec De Gaulle. Monsieur Foucault, numéro 6, est parti hier du gouvernement de Macron. J'espère que le nouveau chemin que va prendre leur nouveau ministre des Affaires étrangères va aller justement dans le sens des souverainetés des peuples. Parce qu'il n'est pas question de parler de la souveraineté de l'Ukraine et faire semblant d'ignorer la souveraineté demandée par les peuples africains. Nous sommes tous des humains, malgré la couleur de peau qui change, votre sang est aussi rouge que le nôtre. Il n'est pas question de pleurer en Ukraine et de ne rien dire lorsqu'il y a eu des massacres au Gabon. Le Gabon traverse des maux inqualifiables. Ce peuple de moins de 2 millions d'habitants avec autant de richesses au monde, nous demandons, nous insistons à dire Emmanuel Macron, vous êtes à votre deuxième mandat. Vous n'allez pas nous dire qu'en 5 ans, vous n'avez pas vu le grand livre de pillage signé par vos pères français, donc de De Gaulle jusqu'à M. Hollande. Ça doit s'arrêter. Nous devons avoir des accords entre des États. Le Gabon n'est pas un quartier de France ou une province de France. Que chacun reste dans son couloir. On dit bien Gabon et on dit France. Nous sommes des Gabonais, vous êtes des Français. Nous devons coopérer. Nous ne sommes pas vos esclaves. Et c'est la fin des temps. Parce que vous n'allez pas tourner le dos à Poutine. Et là, c'était le grand geste. Et encore une fois, je vous l'ai dit, Macron, Poutine ne vous écoutera pas. Il vient de renvoyer vos diplomates. Montrez-nous que vous pouvez également le faire avec l'Afrique. Négocier pour qu'il y ait une tranquillité. Nous n'allons pas pour l'instant, même si ce sont des usurpateurs qui sont là-bas, nous avons besoin d'accompagnement. Mais nous n'avons pas besoin de chef ou de maître pour nous tenir en laisse. Les Africains ont été à l'école comme vous. Nous avons des ingénieurs, des docteurs à tous les niveaux comme vous. Laissez ces enfants, donc les pays africains dont vous avez donné l'indépendance, s'épanouir seuls. Nous devons vendre notre pétrole à qui on le veut. Même si c'est à la Russie, nous sommes libres de le faire. Ce sont nos richesses. Nous devons coopérer. Vous n'avez rien à nous imposer. Nous ne vous imposons rien. Sauf que mes frères ici et sœurs présents vont vous développer les mots qui minent et qui traversent malheureusement sous les yeux des Français avec vos soldats qui ne coûtent rien. Ils se baladent sous le soleil du Gabon et avec des primes d'éloignement, les primes de moustiques, les primes de soleil. Ils ne foutent rien là-bas. Il y a une grande guerre qui vous attend. Le président ukrainien attend non seulement vos armes, mais enlever tous les soldats français qui sont en Afrique pour aller renforcer l'Ukraine. On ne parle pas en 2022. On fait, M. Macron. Merci. J'avais eu aussi une intervention de Hugues Sylvain Méphane Métoi. Et nous allons écouter M. Serge Christian Guémandon, alias Bob le Fou. Merci, merci. Merci Sylvain, parce que tu poses les mots qu'il faut. Des mots qui sont justes.
On ne peut pas parler de souveraineté en Ukraine, de souveraineté en France et ignorer le combat de la souveraineté en Afrique et au Gabon dans notre pays. Je viens m'adresser également au peuple gabonais qui nous suit. Certains sont connectés sur ce live. Certains nous parlent d'élections. Certains nous parlent d'autres choses. Nous sommes en train de banaliser le mal. Nous banalisons le mal dans mon pays, le Gabon. Un dictateur a tué les Gabonais, a volé une élection, s'est maintenu au pouvoir par les armes. On nous traite, nous, que ce soit, comme vous nous appelez, des activistes ou des opposants, on nous traite, nous, d'impolis, de personnes mal élevées, parce qu'on s'adresserait mal à un tueur, à un dictateur et à son régime qui pille une nation entière. Où est l'impolitesse de dire à Ali Bongo et à son régime que c'est un dictateur, c'est un criminel, c'est un assassin? Où est l'impolitesse de dire à ses ministres, à ses pilleurs qui sont en train de détruire toute une nation que ce sont des voleurs? Où est le mal à dire à un voleur que c'est un voleur? Où est le mal à dire à un assassin que c'est un assassin? Nous sommes en train de parler de politique au Gabon. Nous parlons de démocratie au Gabon. Où est la démocratie avec des assassins et des tueurs qui se maintiennent au pouvoir? Moi, je ne respecterai jamais, mais alors là, jamais ces dictateurs et ces criminels. Lorsque j'aurai un collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec ce régime de criminel, pour moi, cette personne est également criminelle. Cette personne est également voleur. Donc, à tous les ministres, aux ambassadeurs, aux diplomates qui arrivent à Paris et qui sont en colère en disant que nous sommes impolis et que ce n'est pas ça la politique. Est-ce que c'est la politique lorsque vous tuez les Gabonais? Est-ce la politique lorsque vous enfermez M. Jean-Rémy Yama? Lorsque vous le radiez de la fonction publique sans jugement? Où est la politique? Où est le respect? Il y a eu une élection en France. Marine Le Pen a perdu les élections. Mais Marine Le Pen n'a pas demandé à une ministre d'aller bombarder le QG d'Emmanuel Macron. Chez moi, au Gabon, ça s'est passé le 31 août 2016. Après une élection, le dictateur Ali Bongo a fait massacrer les compatriotes au QG de M. Jean-Ping. M. Macron l'a dit à RFI. Ali Bongo n'a pas été élu comme on l'entend. Malgré ça, au nom des richesses, au nom du pétrole, il y a une amitié soudaine. On est prêt à s'amuser avec des dictateurs. On est prêt à les rencontrer. On est prêt à travailler avec la dictature parce qu'on ne voit que les intérêts. Les droits humains. Les droits humains, quand il ne s'agit pas d'argent, au Gabon, nous souffrons. Et nous avons dit non depuis le 31 août 2016. Et d'autres l'ont fait depuis bientôt 64 ans. De dire non à cet régime, à ce régime. De dire non à cette France diplomate, cette France des affaires, cette France affairiste. On ne parle pas à tout le peuple français, mais on parle à tous ceux qui viennent piller nos États, qui ne pensent pas à nos peuples. Il est temps que la nation entière puisse dire non, que le peuple entier puisse dire non, comme nous le voyons au Mali et ailleurs. Et pour cela, il faut que le peuple soit debout, il faut que le peuple soit courageux. Et c'est ce que nous demandons à nos compatriotes, qui vont peut-être se moquer de nous en disant que nous ne sommes plus que 10 ou 15. Mais non, ce qui reste, c'est la dignité. Nous devons nous battre pour la dignité humaine. Ce combat, nous le faisons au nom de la dignité humaine, au nom de la souveraineté du Gabon. La souveraineté, c'est disposer de nos richesses, c'est disposer de notre pays, c'est disposer de notre terre, comme bon le sent. C'est pouvoir travailler avec qui nous voulons. Nous ne lâcherons rien, peu importe le temps que ça prendra.
Cette victoire, cette libération pour la nation Gabon va arriver. La souveraineté de notre pays arrivera. Je vous remercie. Merci. Nous avons eu l'intervention de monsieur Serge Christian Guémandon, alias Bob le Fou. Donc, pour vous le rappeler, nous sommes ici en ce samedi 21 mai 2022 à une énième manifestation de la résistance gabonaise comme tous les samedis. Donc merci à vous de bien vouloir partager ce live. N'hésitez pas à mettre les cœurs pour éviter que nous ne soyons attaqués. Donc, comme tous les samedis, la résistance gabonaise est à Paris au Trocadéro pour continuer de dénoncer les maux qui sévissent au Gabon, pour continuer d'appeler le peuple gabonais à résister contre la dictature en place. Une dictature mise en place par la Françafrique et soutenue par la Françafrique. Donc nous disons au peuple gabonais qu'il faut continuer de résister, de dire non à ce système dictatorial. Pour ceux qui viendront vous voir dans les jours à venir pour vous inciter à aller à une énième élection, nous vous invitons à leur lancer des œufs, de la farine. Nous vous invitons à leur demander de repartir chez eux. Car aller à une énième élection aujourd'hui ne sert à rien. L'histoire nous a suffisamment démontré qu'aller à des élections au Gabon avec ce système dictatorial soutenu et maintenu par la Françafrique, ça ne sert à rien. Ils pourront vous inventer toutes les théories possibles. Vous n'êtes pas obligé de les croire. Il vous suffit d'analyser l'histoire du Gabon, l'histoire des élections du Gabon, pour comprendre que ça ne sert à rien. Donc, mesdames et messieurs, merci à vous d'être là sur ce live. Merci à vous de le partager. Merci à vous de continuer de croire au combat des Gabonais, car ceux qui sont là représentent le souhait du peuple gabonais. Le souhait du peuple gabonais, c'est sa souveraineté. Qui dit souveraineté parle de souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté militaire, souveraineté scientifique et souveraineté sociale. Nous parlons de souveraineté politique parce que malheureusement, au Gabon, nous ne sommes toujours pas indépendant. Malheureusement, c'est la France qui continue d'imposer ses choix à la présidence gabonaise. Le 27 août 2016, les Gabonais ont choisi Jean-Pierre, mais la France a décidé autrement. Allô? 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 Le Gabon, notre pays, est ingouvernable. Monsieur Jean-Ping l'a souvent dit, ce régime a usurpé le pouvoir. Ils ont volé le pouvoir. Je vais vous parler aujourd'hui de la misère du Gabon. Ça fait 5 ans, disons 9 ans, que monsieur Ali Bongo a volé le pouvoir au Gabon. Ça fait plus de 9 ans. En 13 ans, on va dire, notre dette a été multipliée par 4, par 5, par 6. Aujourd'hui, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, est en faillite. En faillite. Comment on peut comprendre que le Parti démocratique gabonais, le parti du pouvoir en place, puisse devoir
près de 21 milliards à la CNSS. La mairie de Libreville, pareil, des milliards qui sont prélevés aux Gabonais. Et quand ces Gabonais vont à la retraite, ils n'y ont pas de retraite. Peuple gabonais, jusqu'à quand allez-vous regarder votre misère? Ça ne vous concerne peut-être pas. Tous les jours, vous dites, on ne fait pas de politique. Mais à la retraite, vous n'avez pas de retraite. C'est ce que nous dénonçons tous les jours. Parce que, à la tête de notre pays, le Gabon, ce sont des voyous qui sont au pouvoir. Pour tous les retraités qui sont à l'étranger, ça fait 7 mois qu'ils n'ont pas de pension de retraite. 7 mois que ces personnes à la retraite n'arrivent plus à payer leurs charges, n'arrivent plus à se nourrir. Ces Gabonais, qui sont des pères et des grands-mères, ont travaillé toute leur vie. Ils sont incapables de toucher une retraite maigre. Le Gabon, à coups de milliards, a signé des conventions au travers de M. Kouchner, des conventions qui engagent la sécurité sociale ici, même en France. Lorsqu'on ne peut plus payer les pensions au Gabon, normalement, c'est la sécurité sociale ici en France qui devrait prendre le relais. Lettre morte lorsque les grands-pères envoient des courriers tous les jours et personne ne répond. Ils sont en train de mourir et beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont déjà morts. Aujourd'hui, on tire encore sur les élèves, les étudiants qui demandent leur bourse. Ils n'ont plus d'université parce que l'université de Massoukou ou Liomé n'a de nom, n'a de l'université que de nom. Ils ne veulent pas, ils n'apprennent pas. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas le minimum de la bourse qui était promise. Déjà, la bourse de 24 000 au Gabon a été annulée, mais elle apparaît toujours sur le budget du Gabon. Ça veut dire que cet argent est décaissé, mais ne va pas. Ne va pas. Chez la jeunesse, dans la jeunesse gabonaise. Où va cet argent? Où vont tous ces milliards? Où vont tous ces milliards? Comme à l'habitude de le dire mon frère John Kosa, nous sommes au bord du chaos. Nous sommes au bord du chaos. En France, il y a eu la révolution de la faim. Au Gabon, cette révolution est à nos portes. Cette révolution est à nos portes. On peut nous prédire une guerre ethnique? Non. Il y aura une guerre de la pauvreté. Parce que les Gabonais, le peuple gabonais ne s'en sort plus. Il ne s'en sort plus. Au Gabon, on meurt à cause des coupures intempestives. On meurt parce qu'on n'a même pas de quoi manger dans la journée. Le peuple gabonais est en train de mourir. Ce peuple, ce petit pays qui est plus riche que Dubaï, Abu Dhabi, n'a pas de route, n'a pas d'école. C'est la famine. Et aujourd'hui, ces gens osent parler de se maintenir au pouvoir. Peuple gabonais, jusqu'à quand allez-vous accepter l'humiliation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous accepter cela? Ce n'est pas de la politique. On parle de votre survie. On parle de votre survie. On est en train de regarder la politique en disant opposition, parti au pouvoir. Mais ce qui nous pend au nez, le jour où ce peuple qui est affamé va décider de régler les comptes, nous serons tous perdants. Parce qu'on ne choisira pas opposition ou parti au pouvoir. Quand on a faim, on ne regarde pas de quel parti où est la personne en face. On va regarder la maison en dur. On va dire que toutes les personnes qui ont des maisons en dur au Gabon sont riches. Et quand un peuple est affamé, croyez-moi, le peuple affamé et en colère ne choisira pas d'opposition ou de parti au pouvoir. C'est le Gabon qui est en danger. Et ce danger guette tout le monde. Nous devons prendre conscience. Et là, j'en appelle à tous mes frères de 40 à 50 ans. C'est le Gabon est entre vos mains. Depuis 5-6 ans, nous le crions tous les jours. On va dire non, les activistes du Trocadéro ou autre, non.
Ce problème est crucial. Si chaque Gabonais ne prend pas la mesure du danger qu'on a, c'est nous tous qui allons pleurer. Et aujourd'hui, beaucoup pleurent déjà. On s'est beaucoup moqué de nous au début en disant « Mais pourquoi vous combattez ?» Aujourd'hui, plusieurs compatriotes, même du PDG, partis au pouvoir, ont compris que le Gabon est au bord du précipice. Prenons conscience que c'est maintenant que nous devons le faire. C'est ensemble que nous devons dégager ce régime. Parce qu'il est temps que ce pays soit gouverné par la personne qu'il faut. Nous avons fait un grand pas. En 2016, nous avons élu un président. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Aujourd'hui, nous devons respecter le choix des urnes de 2016 pour que nous puissions commencer une vraie transition au Gabon. Une réelle transition au Gabon. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur le mensonge, sur les crimes du vol d'élection de 2016. Le faire, ce sera la plus grande erreur de notre pays, de notre vie même. Merci beaucoup. Merci. Nous avons assisté ici à une intervention de monsieur Serge Christian Grimandon, alias Bob Le Fou. Yeah.
Merci Naudi, merci. Bravo! Merci madame. Bon, j'espère que vous sortez vite. Oui, tu peux enchaîner, vas-y. Bonjour, mes chers compatriotes. Moi, je vais intervenir juste parce que je voudrais ajouter quelque chose sur ce que mon frère Bob a dit. Bob Le Four, que vous connaissez très bien, Serge Nguema. Alors, vous savez, quand j'entends souvent les gens dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire au Trocadéro? Qu'est-ce que vous allez avoir? Ça va vous rapporter quoi? Ça vous apportera quoi? Ce que les Gabonais ne savent pas, c'est que cet endroit où nous sommes, la place du Trocadéro, c'est une place très stratégique. Ça gêne Emmanuel Macron et ses gouvernants. Et quand vous dites, vous ne savez pas ce que ça va nous apporter, mais en fait, c'est à vous que vous devez même vous poser la question. Ça nous apporte quoi? Parce que ça nous apportera à tous. Parce qu'une fois que le Gabon sera libéré, il n'y aura pas des Gabonais, même si vous n'avez pas combattu, même si on ne vous a pas vu au Trocadéro, qui vont pas en bénéficier. Aujourd'hui, je vais parler, comme je disais, je vais rebondir sur les retraites au Gabon. Hier encore, je parlais à une de mes sœurs, qui seulement depuis un an est à la retraite. Il y a une autre, il n'y a pas longtemps, elle est encore en poste, mais elle commence à avoir, elle n'a même pas encore, elle me dit, sa retraite. Comment ça se passe? C'est que quand les gens vont à la retraite, on ne leur donne même pas leur pension. Ça s'appelle avance sur retraite. Vous avez déjà vu ça, ou une avance sur retraite? Et en plus, un point très crucial, c'est les retraites, comment, les services rendus ne sont plus payés au Gabon depuis plus de 6 ans. Est-ce que ça c'est bien ça? Comme dit mon frère, mes femmes et toi. Est-ce que ça c'est bien l'homme de Tengele? Est-ce que ça c'est bien?
vous donne des avances sur retraite alors que vous avez cotisé. On vous fait des retraites chaque fin du mois, même les fonctionnaires. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre que vous-même, les concernés, vous êtes toujours en train de dire non, il ne faut pas dire ça au téléphone. Ils te disent ça. Hier encore, je l'entends dire non, tu sais, ce n'est pas un sujet abordé au téléphone. Je discutais avec une de mes amies qui, elle aussi, peut-être dans 2 ans, va aller à la retraite parce que nous sommes aussi très proches là. Hein? Mais vous aussi, quand même. Levez-vous, peuple gabonais, vous attendez quoi? Là, on vous a déjà fait ça trop dur depuis 6 ans, depuis 9 ans, depuis 13 ans. Parce que tout s'est gaspé depuis qu'Ali Bongo est venu au pouvoir. Depuis 2009, nos enfants n'ont plus de bourse, ils n'ont plus, les étudiants n'ont plus de bourse, ni à l'école, ni à l'université. Et pourtant, nous savons combien ils dépensent. Combien les gouvernants dépensent tout cet argent détourné, tous ces budgets qui sont votés chaque début d'année, ça va où? Où va ce budget? Alors, je vais m'adresser au sosie là. Toi, le sosie qui fait le tour du Gabon, et tu t'arrêtes, tu sais dans quel secteur tu peux aller. Ce que tu ignores, c'est que le Gabon ne s'arrête pas seulement à Libreville. Le Gabon ne s'arrête pas seulement à Libreville, le Gabon a 9 provinces. Et quand je regarde les routes des 9 provinces pour aller seulement toutes les 9 provinces sont impraticables. Et pourtant, nous avons des travaux publics au Gabon. Mais qu'est-ce que les travaux publics font? Qu'est-ce que le ministre fait? Qu'est-ce que vous attendez pour ça? Monsieur Ali Bongo sosie, parce que Ali Bongo est mort. Ça, je suis de ceux-là qui disent qu'Ali Bongo est mort. Pour moi, il est mort, il n'existe plus. C'est un sosie, c'est quelqu'un qu'on a habillé, qui porte son masque et qui fait le tour du Gabon. Mais est-ce que ça c'est bien? En plus, vous le savez, et surtout, moi je vais encore m'adresser aux militaires gabonais. Je n'arrive pas à vous comprendre les forces de troupes gabonais. Gabonaises, est-ce que ça c'est bien ce que vous faites? Vous acclamez, vous ovationnez ce sosie, vous savez très bien, vous-même vous savez que c'est pas Ali. Un coup il est grand, un coup il est gros, il est mince, il est petit. Et vous pensez que ça arrive beaucoup? Non, arrêtez de nous faire croire, arrêtez de nous endormir. Parce que nous ne sommes pas là pour dormir. Nous venons un Gabon libre. Et quoi que vous fassiez, même si nous sommes peu ici au Trocadéro, comme avait dit le président Jean-Pierre, il avait dit, si je tombe, escalader, enjamber mon corps. Donc, quel que soit le nombre de personnes que vous allez tuer ici en France, il y aura au moins 2, il en sera même une seule personne, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous nous donnez encore plus de force. Nous ne sommes pas certes, non, nous ne sommes plus certes nombreux, mais le peu que nous sommes là, nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour rien. Moi, je ne suis pas une civiste, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais où je vais, et je sais que le Gabon sera libéré. Mais tout ce que je peux demander à mes compatriotes, c'est d'arrêter de subir. Est-ce que vous savez, j'ai encore appris hier, que les services rendus ne sont pas payés, mais seulement, il y a une entité auprès de laquelle vous devez vous inscrire. Si vous ne le savez pas, vous devez vous rendre tant que fonctionnaire, selon la hiérarchie, la hiérarchie, parce que les A1, on leur avance 6 millions, c'est soi-disant une aide, hein, une aide qui est gérée par un secrétariat général. Alors, je ne sais plus si c'est du gouvernement, je ne veux pas dire, je ne sais si, je n'ai pas trop bien saisi. Donc, vous devez vous rendre là-bas pour qu'on puisse vous donner une aide. Ce n'est même pas les services rendus qui vous sont payés. Mais alors, vous avez travaillé toutes ces années, 30, 35, 40 ans, pour ne pas avoir vos services rendus. Moi, mon papa, quand il est allé à la retraite, on l'a payé. Tous ceux qui sont allés à la retraite au temps de Omar Bongo ont reçu leur droit. Des services rendus. Mais Ali Bongo et ses copains, ils sont venus mettre le Gabon par terre. Aujourd'hui, je vous dis, le Gabon ne respire plus. Si c'était un être humain comme nous qui respirons, je crois qu'on serait mort. Donc arrêtons de tout supporter, de tout accepter. Parce que personne ne fera le Gabon à votre place, à notre place. C'est d'abord nous-mêmes. Si nous voulons nous faire respecter, si vous voulez qu'on nous respecte, respectons-nous d'abord.
d'abord. Battons-nous pour un Gabon libre. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Mais restons debout, chers compatriotes, parce que le Gabon sera libéré. Que vous le vouliez ou non, les pédagogistes, je n'ai rien contre vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes peut-être du bon côté. Mais moi, je sais que je suis du bon côté. C'est ça, moi. Je sais que je suis du bon côté. Alors, mes chers compatriotes, continuons à nous battre. Ceux qui ont le courage de faire au Gabon, posez les actes que vous pouvez poser. On ne viendra pas vous soulever chez vous si vous le faites la nuit. La nuit, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est quoi? Je ne vous demande pas d'aller tuer. Non. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Moi, si j'étais au Gabon, là, ah mon Dieu, parfois je me dis que, ah mon Dieu, si j'étais un homme, parce que ça aussi, c'est des hommes. Je ne sais pas où sont les hommes au Gabon. On n'avait même plus de. Je peux dire le mot, hein. Désolé. De couilles. Vous n'avez plus de couilles. Parce que quand je vois les hommes, les papas comme ça, là, qui se font. Bon, pardon, c'est bon. Je ne veux pas dire ce mot-là parce que c'est trop fort pour moi. D'accord? Donc, mes chers compatriotes, tout ce que je peux dire, c'est que le Gabon va être libre. Mais restons toujours debout tant que nous ne le sommes pas. Et je sais que Emmanuel Macron, avec sa réélection, sait. Il ne peut pas aujourd'hui demander la souveraineté de l'Ukraine et ignorer le Gabon. Parce que ce dossier est à l'Élysée depuis 2016. Il le sait très bien. J'ai rencontré des gens qui sont avec lui. Donc, tout ce que nous voulons, c'est que le Gabon soit libre, tout simplement. Et qu'il y ait des accords gagnant-gagnant. C'est tout. Comme disait mon frère, mes femmes et toi, il n'y a pas de sous-pays. Il n'y en a pas. Nous sommes un pays comme la France est un pays. D'accord? Nous sommes indépendants, vous l'avez accepté. Donc, laissez-nous la liberté. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. À très bientôt. Merci. Donc, vous avez ici une autre intervention d'une compatriote gabonaise sur la nécessité de continuer de lutter. Nous allons de ce pas vous lire les noms des personnes décédées depuis l'élection présidentielle du 27 août 2016. Ainsi que les différents mouvements qui ont succédé. Le 27 août 2016, et plus particulièrement la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, nous avons assisté au massacre de plusieurs compatriotes gabonais, dont je vais vous lire les noms. Abagé Mve Innocent, Abaga Ndo Elvis, Assoumou Rodrigue, Mbandon Mesmin, Bidjo Bindong Ulrich Jeffrey, Bougenda Bernard, Ella Nzang Willy, Enemé Alogo Jean Mesmin, Jerry Ao, Kede Bekale Michel Ulrich, Kondé Simon, Les Congo Aminou, Madzou Otete Judicael, Mapangou Mindou Gislin, Mavioga Freddy, Mba Jérémy, Messa Messa Paulin Axel, Mombo Eric, Mbono Ojo Franck Joseph, Ngou Allo Alexis, Nang Alogo Prosper, Zengi Mambundu David Prestige, Ovono Angwe Bobby Christopher, Oyangi Simon, Oyono Bongota Bernard, Patrick A.L., Fétus 1 de la Dame Enceinte, Fétus 2 de la Dame Enceinte. Et nous notons aussi les personnes disparues, notamment lors du mouvement des casseroles, Gontran Metoulé, Gildas Chinga, ainsi que toutes les personnes disparues ou qui sont décédées suite à leur passage en prison. Nous pensons notamment à Hervé Mombo Kinga, matricule 001. À nos martyrs tombés, disparus, blessés, emprisonnés pour avoir défendu la liberté, la justice, la démocratie, le peuple gabonais ne vous oubliera jamais.
Donc, à titre de rappel, en ce samedi 21 mai 2022, la résistance gabonaise manifeste sur la place du Trocadéro à Paris pour continuer de revendiquer la victoire de M. Jinping à l'élection présidentielle du 27 août 2016, pour continuer d'exiger la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, pour continuer d'exiger la vacance du pouvoir, pour continuer de lutter contre la dictature en place au Gabon. Et en définitive, pour lutter afin d'avoir une souveraineté pleine et entière au Gabon. Nous disons notamment une souveraineté politique, faire en sorte que le peuple gabonais puisse choisir son président. Car actuellement, c'est la France qui choisit les présidents au Gabon. Une souveraineté économique, c'est-à-dire que le peuple gabonais, le Gabon, doit battre monnaie. Le Gabon doit avoir sa monnaie. Sinon, avoir une monnaie au niveau régional, avec le Cameroun, le Congo, une monnaie qui permettra à ces pays d'avoir une meilleure économie et d'être indépendant face au franc CFA. Le franc CFA est la monnaie actuellement utilisée au Gabon. C'est une monnaie coloniale et nous combattons pour mettre fin à cette monnaie coloniale. Car nous pensons que la sous-région de l'Afrique centrale doit avoir sa monnaie. Une monnaie sur un panier à devises permettra aux Gabonais, aux Africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, de pouvoir avoir les devises étrangères. Nous parlons de souveraineté militaire pour exiger la fin des bases militaires françaises au Gabon en particulier et en Afrique en général. Car, comme vous le savez, aujourd'hui, il existe une base militaire française au Gabon. Cette base militaire française est située en face du quartier général de M. Jinping. Lors du massacre de la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, lorsque le quartier général du président Jinping a été bombardé à l'arme lourde par Ali Bongo et sa milice, l'armée française en face n'a rien fait. Elle a regardé et elle a juste laissé les Gabonais se poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi ? Ceci démontre à suffisance que le peuple gabonais ne doit pas compter sur la France. Car c'est cette France, et en particulier la France-Afrique, qui maintient le régime dictatorial des Bongo au pouvoir depuis les années 1967. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut être totalement indépendant dans cette lutte. Nous parlons de souveraineté sociale, tout simplement parce qu'au Gabon, la langue officielle, par exemple, la langue officielle, c'est la langue française. C'est la langue de l'administration, de l'école, de l'éducation. Au Gabon, nous n'avons pas une langue nationale issue de nos origines. La langue française est la langue coloniale et c'est celle qui est utilisée actuellement au Gabon. Nous pensons, comme nous l'a enseigné jadis Cheikh Anta Diop, que nous avons suffisamment de compétences pour avoir une langue nationale. Donc, la manifestation se poursuit jusqu'à 17h. Le chaviste
Le message est toujours le même. Nous demandons au peuple gabonais de continuer de prendre conscience, de continuer de s'informer sur l'histoire de son pays, de continuer de dire non à la dictature en place au Gabon. C'est difficile, c'est très très difficile de vivre au Gabon actuellement sous cette dictature où les gens ont peur d'investir, les gens ont peur de dire la vérité car ils sont emprisonnés. Nous pensons notamment à M. Jean-Rémi Yaman, président de la principale syndicale gabonaise qui est la Dynamique Unitaire. C'est la principale centrale syndicale au Gabon. Ce dernier a été emprisonné tout simplement parce qu'il participait à une éducation de la population gabonaise du point de vue social. Il participait à éduquer les travailleurs et les travailleuses sur la nécessité de revendiquer et de savoir revendiquer leurs droits. Parce que ce monsieur participait à faire en sorte que les Gabonais qui ont travaillé durant toute leur vie aient une meilleure retraite, aient déjà une retraite, parce qu'il participait à organiser tout cela, M. Jean-Rémi Yaman a été mis en prison par le pouvoir gabonais. Ce dernier est très malade. Il ne peut pas, en étant en prison, prendre les médicaments comme il se doit. Il ne voit pas de médecin, ce qui fait qu'aujourd'hui, on risque le pire. Et donc, nous sommes là aussi pour dénoncer ces arrestations arbitraires de la dictature des bongos au Gabon. À titre d'information, nous vous signalons que nous avons un site internet qui est Souveraineté Gabon. N'hésitez pas à aller sur ce site internet pour prendre connaissance des différentes actions menées par la résistance gabonaise partout dans le monde depuis la date du 27 août 2016. Car depuis cette date, les Gabonais ont mené des actions partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de mener différentes actions, que ce soit à travers des manifestations comme celles que vous voyez aujourd'hui, ou à travers des mémorandums, des conférences. Tout est sauvegardé. Tout est sauvegardé sur le site internet. Donc nous vous invitons à aller regarder ce site, à donner votre avis, à partager vos actions, à participer à éduquer le peuple gabonais, comme le fait par exemple nos frères du New Power, qui participent notamment à l'éducation du peuple gabonais grâce aux différentes études qui sont faites notamment par Privan Gomo, coordinateur général du mouvement de New Power, et toutes les personnes. C'est une manifestation contre la dictature au Gabon. Libérons notre pays, parce qu'en effet, l'invitation faite aux dirigeants gabonais de libérer le peuple gabonais n'a jamais été entendu, et j'ai le fort sentiment qu'il ne sera jamais entendu. Dans les faits, il faut dire libérons notre pays
et dégageons ces vauriens. Ce n'est pas une volonté de les insulter, mais c'est un constat. Ces gens ne valent rien. Et en réalité, nous avons accepté depuis notre accession à l'indépendance et depuis 1964, avec la mise en place de ce régime prédateur, apatride, dans notre pays, d'être leurs esclaves. Nous sommes les esclaves du régime Bongo PDG. Et il est temps que chacun de nous le contraigne et décide de sortir de cet esclavage volontaire. Parce qu'en vérité, ces gens ne sont pas plus nombreux que nous. Ils sont chez nous, dans notre pays. Donc ils ont deux choix. Ou respecter notre expression populaire, ou travailler enfin pour nous. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2022. L'université Omar Bongo n'a pas repris les cours, malgré les multiples visites du ministre Mugyama sur le campus. La vérité des faits est que les élèves qui ont eu le bac en juin, en juillet dernier, n'ont pas repris les cours. Quand on sait le désastre, ce que ça peut être pour un écolier de faire toute une année sans apprendre, on peut considérer que les bacheliers de l'année dernière, à 90%, en tout cas ceux qui sont restés au Gabon, ont déjà gâché leur vie. Voilà. Et ça, personne, à part les Gabonais, ne peuvent empêcher cela. Il faut que les Gabonais prennent conscience que pour arrêter cette mascarade qui a lieu depuis 1964 dans notre pays, il n'y a que nous, nous et nous seuls. Personne ne viendra nous libérer. Pas la France, pas les Camerounais voisins, pas le Congo, pas Junior Bongo. C'est nous les Gabonais qui devons nous lever pour chasser ces gens-là. Même Jean Ping ne nous libérera pas de cette oppression, de cet esclavage dans lequel nous sommes plongés depuis 58 ans. Il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il y a une solution simple. Il faut que chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que je fais pour sortir de cet esclavage volontaire? Que certains s'engagent dans l'éducation pour réclamer plus de salles de classe pour nos enfants. Arrêtez de vous cacher. On ne vous demande pas d'aller mourir sous les balles. Mais on vous demande d'exiger le minimum à ceux qui ont décidé de diriger ce pays. C'est eux qui ont choisi de diriger le pays. Eh bien, qu'ils nous apportent le minimum que tout pays est en droit d'espérer, surtout avec les ressources qui sont les nôtres. N'allez pas à leur manifestation pour 5 000. Ça fait une trentaine d'années que le Gabon a retrouvé les élections. Je ne veux pas dire démocratie, mais un semblant de démocratie. Tout le monde sait que le PDG remplit les meetings en donnant 5 000 aux gens. Et que ces 5 000-là, vous allez les rembourser pendant 7 ans. Donc arrêtez d'aller chercher les 5 000. Intéressez-vous au vrai sujet. On ne vous demande pas d'aller dans la rue, mais intéressez-vous au vrai sujet. Boycottez leurs événements. N'allez pas applaudir parce qu'il est venu regarder une route pavée de 1 km sur une route qui compte environ 8 km. Comment des gens peuvent se satisfaire autant du gain petit comme ça? Pourquoi les Gabonais n'exigent pas la reprise des cours à l'UOB? Pourquoi les Gabonais n'exigent pas la réouverture du campus universitaire? Cette semaine, un étudiant de l'USTM est mort, assassiné dans les rues de Franceville, alors qu'il n'y avait même pas l'école là-bas. Voilà des gens qui ont envoyé leur enfant étudier dans une ville. Cet enfant n'a jamais appris et ils vont devoir enterrer cet enfant. Est-ce que cela est sérieux? Et ça, ils le font à chacun de nous. Mais comme chacun de nous attend que ça tape à sa porte pour réagir, eh bien, ils vont finir par nous décimer. Ne nous étonnons pas si dans 20 ans, nous arrivons au Gabon et nous ne reconnaissons pas ce pays et que les gens qui y sont, nous sont parfaitement étrangers. Parce que ces gens ont un projet. Et Éric Zemmour a parlé en France du grand remplacement. Je pense que s'il y a un pays qui devrait vraiment s'intéresser au grand remplacement, c'est le Gabon. On est en train de nous grand remplacer. C'est dur pour moi de dire ça. Mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Et si nous ne faisons rien, c'est ça qui va arriver. Levez-vous, sortons de l'esclavage volontaire et commençons à exiger le minimum. Arrêtons de toujours dire « on va encore faire comment ?» Il ne s'agit pas ici de demander aux gens d'aller dans la rue et mourir comme des chiens, non. Il s'agit aux gens aujourd'hui de dire à chacun d'arrêter de participer aux mascarades à minima. Arrêtez de partir aux événements du PDG. Arrêtez les conneries de Iforchi. Arrêtez toutes ces conneries-là. Réveillez-vous, peuple gabonais. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Vous avez eu ici... Nous allons terminer notre manifestation.
par notre hymne national.
à samedi prochain. Merci à tous et merci encore d'être là. Donc nous allons mettre fin à ce live. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine semaine de manifestation, c'est-à-dire dans 2 semaines, car la semaine prochaine, c'est un petit repos, un week-end de repos pour ces manifestants. Nous vous remercions et vous disons bon week-end.